forêt, les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose. Jouer au docteur non conventionné, j'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je connais bien les ténèbres des bacs à sable, je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos. C'est la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans me démettre une épaule, sans plier sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita, t'envole pas. Avec tes miches de rat qu'on dirait des noisettes, et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat, tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas. Tu sais, ma ronde, que je suis Morgane de toi.
This afternoon, we've taken time to celebrate Nina's life, but also to honor her memory. And it is fitting that we mourn collectively. May we be reminded this afternoon how fragile life is. As a sign of respect, I would ask you to please make sure that your cell phones are either turned off or placed on silent mode. The program will continue and proceed unannounced. Good afternoon. Je vais vous lire un passage écrit par le papa de Nina, Régis. Ma princesse. If I may. J'ai toujours admiré ces personnes si courageuses qui prennent la parole dans les moments difficiles. Mais pour toi, mon amour de fille, je vais donner toute mon énergie à toi, la plus belle des choses qui me soit arrivée, avec la rencontre avec ta mère et la naissance de Nathan et Sacha, bien entendu. C'est d'autant moins difficile pour moi que Nicole, si gentille, est mon relais aujourd'hui. Ma chérie, à l'aube de ma vie, je me retourne sur cette dernière et je ne vois que du bonheur dû à mes amis, à mes rencontres, aux élèves que j'ai côtoyés durant ces longues années, et surtout grâce à mes propres enfants et à mon amour de femme, ma petite folie, sans qui rien ne serait arrivé, notamment vous, Nina, Sacha et Nathan. Je ne sais si j'ai été un bon papa, mais j'affirme que ta mère a été et sera toujours la meilleure des mamans, belle et énergique à la fois, tout à ton image. Même si je pleure beaucoup en ce moment, tu dois savoir aussi que je sais être fort et que je retrouverai rapidement toute mon énergie à travers toi, qui vivra à jamais dans mon cœur. Manina, depuis des mois j'étais inquiète, sans être pessimiste pour autant, croyant toujours à l'avenir. Je me trompe peut-être, mais j'ai vraiment l'impression que tu nous as préservés, même dans les derniers instants. C'est une immense preuve d'amour et je t'en suis reconnaissant à jamais. Même si tu désirais nous voir, tu es partie avant, afin que nous puissions garder l'image de notre fille si belle. Pour ma part, je te revois à l'aéroport en août 2019, chargée de tes précieux bagages, en train de nous sourire et de nous faire coucou de la main, en sachant évidemment pas que je ne te reverrai jamais. J'ai l'impression que ta disparition, si loin de nous, est accompagnée de tout un tas de symboles. Alain, ton ancien maître, te raccompagnant vendredi lors de ton dernier retour de l'école. La semaine dernière, il a fait un temps splendide sur toute la France et depuis dimanche, l'hiver, le froid et le gel sont revenus. Et quelques fleurs se sont fanées dans le jardin, mais je sais que d'autres fleurs réapparaissent déjà, et avec elles, la vie. Ma fille, je ne remercierai jamais assez le ciel de t'avoir fait rencontrer de merveilleuses amies. C'est incroyable l'énergie et l'amour qu'elles ont déployé afin d'atténuer ton chagrin et le nôtre. Une crêpe pour Nicole, ta dernière friandise, ta petite main dans les mains de Kim, les photos dans ta chambre. Tous ces petits riens qui représentent beaucoup à nos yeux, tout comme toi, ce sont vraiment des personnes incroyables. Il nous tarde de les recevoir à la maison afin de partager l'amour que nous te portions. Les dizaines de messages qui nous parviennent du monde entier vont tous dans le même sens, des mots plus gentils les uns que les autres, qui te décrivent tel que tu étais. Que chacun en soit sincèrement remercié. Ma princesse, j'aurais voulu te dire tant de choses, mais je sais que le temps est compté, je vais maintenant te quitter, mais très provisoirement. Parce que tu dois savoir que désormais, à chaque instant, tu seras là, quitte à te moquer de moi comme tu savais si bien le faire. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai à l'infini. La maman de Nina, Hélène, a écrit ceci.
On est dimanche. Dimanche, c'est le jour de papa et maman. Ça commence par « Bonjour Manina ». Et puis tu enchaînes sur l'école, tes amis, tes sorties rando ou à la plage, tes soirées entre amis. Et jamais tu ne manques de chahuter papa ou de lui rappeler les horaires du biathlon ou autre compétition sportive. Jamais beaucoup de temps pour parler du mal au dos qui te faisait souffrir ces derniers temps. Jamais nous n'avions senti un moment de relâchement, même quand tu étais fatiguée. Et puis tu nous as fait visiter ton appartement avec juste un petit coucou de la main pour nous dire que tu étais bien là et bien vivante. Le vide est maintenant immense. Nos enfants si précieux et tant aimés, dont nous sommes si fiers. Toi, Manina, qui tout aussi fièrement revient travailler à l'école de ton enfance et qui retrouve ton maître comme un signe. C'est lui, Alain, qui te raccompagne à la sortie de ton dernier jour d'école, vendredi. Quand nous reviendrons à Hong Kong, qui a tant marqué notre vie, que nous pourrons y rencontrer tes si précieuses amies, nous irons à l'arbre aux vœux accrocher les oranges qui porteront notre souhait de savoir heureuse là où tu es. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Victor Hugo. Nina. Il n'y avait pas de plus beau prénom pour toi. Et dès le premier jour de ta vie, on a su que ton sourire nous rendrait infiniment heureux. Qui n'a pas été conquis par ce sourire et ta joie de vivre? Certainement pas tes amis qui sont restés avec tendresse auprès de toi alors qu'impuissants nous étions si loin. Grâce à elles, nous avons pu te dire et te redire combien on t'aime. Quand tu étais petite, j'aimais chanter à tue-tête « J'ai un bébé soleil ». Car tu es mon bébé soleil. Ce poète a aussi écrit la chanson « Jusqu'où je t'aime ». Je sais, ce n'est sûrement pas dans ton répertoire, mais je l'ai choisi. Elle n'est pas triste d'ailleurs. Tu n'aurais pas aimé qu'on soit triste. J'ai reçu ce matin, dernière minute, un message de ses deux frères Nathan et Sacha que je vais vous lire. Il n'y a rien à dire, Nina, et on sait tous les deux que tu nous comprends. Mais Nat et moi, on voudrait que tu l'entendes encore une fois. Nous t'aimons, t'avons toujours aimé, et nous sommes prêts à avancer en te gardant à jamais au plus proche de nous-mêmes. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de papa et maman, qui, comme d'habitude, sont exemplaires. Bisous, Pep, à bientôt. Je terminerai avec les petits mots que j'ai écrits à mon tour. À toute Nina. Je parle au présent parce que tu es, tu demeures. Tu es là, tu es ici, un peu plus loin, pas loin. À Hong Kong. Tu as 5 ans, tu attends maman devant la vie scolaire et tu nous souris de toutes tes dents et tu te dandines de gauche à droite jusqu'à son arrivée. Puis tu grandis, entourée, insouciante, aimée. Tu sais aimer aussi, donner de toi-même, de ton innocente gentillesse. Toujours à Hong Kong, en France. Tu grandis mais ne changes pas. Ton rire ne change pas, ton rire de mille clochettes, tes joues roses et tes yeux scintillants. En France, à Hong Kong. Ceux qui te connaissent savent ta douceur, ta joie, ta transparence. On en a de la chance de t'avoir dans nos vies, Nina. On en a de la chance de partager ta bonne humeur. On en a la chance de te recroiser en France, à Hong Kong. Ta finesse aussi, ton intelligence, ton sérieux aussi, Nina. On sait que l'on peut compter sur toi. Tu n'as qu'une parole. D'ailleurs, tu m'as dit à toute samedi. Alors je te crois, je compte sur toi. Hong Kong. Tu es belle, Nina. Tu ne changes pas. En France. Tu es sereine, Nina. À toute ma Nina, notre Nina. On behalf of Nina's friends, I want to share with you how much we loved her and how proud we were of her spirit and determination and the way she took everything in her stride over the last year.
She was so strong and full of life. She rocked the short hair. She was an inspiration to all of us. We would also love to share with you some of our favourite memories of the time we got to spend with Nina, and we hope to make you smile like she made us smile. We met Nina in the very special way that you meet people in Hong Kong, and they become part of your life forever, not just friends, but family. We were instantly drawn to her sparkling personality, her kindness, and her enthusiasm for dancing all night long. We shared so many happy memories, handstands on the beach, and singing to our favourite songs. All the time Nina spent making sure we learnt more about French culture than Hong Kong culture, introducing us to raclette and to King's Cake and showing off her cooking skills at Christmas. We are lucky to have known her, and we'll have her with us forever and ever on all of our adventures in Hong Kong and afterwards. She'll never be left behind or forgotten. Thank you. I'll now also read a short poem called You Have Just Walked On Ahead of Me. And we've got to understand, you must release the ones that you love and let go of their hand. We try and cope the best we can, but we're missing you so much. If we could only see you and once more feel your touch. Yes, you've just walked on ahead of us, but don't worry, we'll be fine. But now and then I swear I feel your hand slip into mine. Thank you. La membre de la famille, je vais vous lire un message qui leur a été adressé. Madame, Monsieur Hermelin, nous ne nous connaissons pas, mais j'éprouve le besoin de témoigner de l'émotion laissée par la disparition de Nina. Je n'ose imaginer comment vous pouvez faire face à cette tragédie et je vous transmets ma plus profonde sympathie. Ma première rencontre avec Nina s'est faite lors d'un entretien pour un poste d'enseignante dans l'établissement. Elle m'a immédiatement conquis par sa fraîcheur, son enthousiasme. Nous lui avons donc proposé un poste. Son implication, son dévouement envers ses élèves et envers l'école a été tout simplement remarquable. Je ne développe pas sur ses qualités professionnelles et relationnelles qui lui ont accordé immédiatement auprès de ses collègues, auprès de ses parents, une légitimité indéniable. Elle avait de ces personnalités solaires qui mettent tout le monde d'accord et attirent les autres à elle. Vous savez, elle m'a ému à plusieurs reprises par sa force et son caractère. J'étais impressionné par sa combativité, sa vitalité et sa présence souriante. Elle m'a annoncé en juillet son cancer et elle a accueilli ma gêne et manque de mots à cette annonce avec une gentillesse et une maturité qui m'ont désarmé. Nous avons échangé plusieurs fois sur la façon de l'accompagner au mieux cette année en dépit de ses traitements et de sa chirurgie. Elle a affirmé en toutes circonstances, contre la fatigue et le poids de sa maladie, une volonté indéfectible d'exercer son métier, de se dévouer à ses élèves et au travail d'équipe. Comme je vous le disais, son attention aux autres et la vie qui l'animait ont développé un singulier pouvoir, animé des sympathies fortes et une envie d'être proche d'elle. Je suis fier d'avoir pu croiser Nina. Vous pouvez être fier de votre fille, de qui elle était, de ses valeurs, comme de son courage. Nina a bouleversé beaucoup de gens autour d'elle. C'est drôle de penser que cette jeune femme ait eu autant d'influence sur le peu de temps que le destin lui a accordé. L'héritage que laisse votre fille ici est la célébration de la vie. C'est rare et cela imprime son souvenir pour longtemps. Je suis heureux d'avoir croisé Nina et compte bien lui rendre hommage en suivant son enseignement. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Nina a fait sa rentrée sur le campus de Chongquano Les Filles en septembre 2020. Je l'ai rencontrée au mois d'août. Son visage, égayé d'un sourire témoignant de sa joie de vivre, magnifié par un turban multicolore, reste un formidable souvenir de cette première rencontre, au cours de laquelle nous avons discuté de la meilleure façon de l'accompagner pendant les mois à venir, car ce qu'elle souhaitait le plus au monde, c'était enseigner à ses jeunes élèves. Jamais je ne l'ai entendu se plaindre. Et toujours, elle a parfaitement joué son rôle de pédagogue auprès tant de ses élèves que de ses collègues. Titularisée en 2016, en tant que professeur des écoles, Nina a ensuite occupé des postes à Béziers, dans l'Hérault, puis est rentrée à Hong Kong en 2019 pour enseigner en classe de TPS-PS à Lupichun, avant de nous rejoindre dans une classe de moyenne section. L'attachement que Nina portait à Hong Kong et aux LFI était indéfectible. Elle y avait passé une partie de son enfance, élève aux LFI où ses parents enseignaient. Je me souviendrai d'une jeune collègue talentueuse, dynamique, créative, courageuse,
passionné par son métier, proche des enfants qui lui étaient confiés, que la maladie a malheureusement enlevé à l'amour des siens, celui de ses élèves et de ses collègues. Adieu, Nina. We let you go. Into the freedom of wind and sunshine, we let you go. Into the dance of the stars and the planet, we let you go. Into the wind's breath and the hands of the star maker, we let you go. We love you, we miss you, we want you to be happy. Go safely, go dancing, go running home. My name is Moses Guerrero. I'm the chaplain at the Hong Kong Adventist Hospital. From time to time, people come up to me and they tell me, your job must be really depressing. You know, I'm not gonna lie, it is sometimes when you see so much suffering. But from time to time, you meet someone like Nina. You know, when I met her first, she was very polite in telling me her religious preferences. And I felt that she did not want to offend me. We started talking, and then when I mentioned to her in our conversation that I had been a teacher myself for many, many years, her face lit up. And we talked about teaching, and she spoke of her love of teaching at the French school. She actually mentioned to me that she thought her students were little angels. Another blessing that I receive as a chaplain is that I get to see people like Kim and Francesca and Ben and Bob, people that truly exemplified what it means to be a friend. You know, a wise man said once that a good friend is much better than a brother far away. And that is so true. She was blessed because of people like you. You were there until the very end. And in that process, you blessed her and you blessed a lot of us. You know, we cried, but tears are just a visual manifestation of the deepest feelings of our hearts. But I have to say this to you, and I want you to listen carefully. I'm not trying to be rude here. Tears do not honor those who have died. What honors people that have died is good living. So we gather together this afternoon, and the question is, how are we going to honor Nina? How are we going to honor her memory? The answer is very simple. You know how we're going to honor them? I'm going to tell you how I'm going to honor her. I'm going to honor her by being the best husband I could be, by being the best father that I could be, the best chaplain that I could be. So as we gather together and we wonder how we're going to honor her, I am telling you, get out of this place and become, if you're married, become a good husband, become a good wife, become a good son, a good daughter, a good brother, a good sister, and above all, become a good friend. You know, my last school conversation with Nina was Friday afternoon. We spoke of once again, of her love for teaching. And as we spoke, she told me about her desire to go back to France. And I kept that to my heart. And as I went out of the room, I kept thinking, how can we make it possible that she can go home now? Unfortunately, it wasn't possible. It was not possible that she was able
to go back to France, the country that she loved. This was Friday afternoon. As I said goodbye to her, I said, Nina, is it okay if I come to see you again? And she smiled and she said, yes, please, come back and see me again. And I was planning to, I really was. But then I got a call from a nurse that said, you need to get here. Nina's life is ending. As I rushed to the hospital, and I came to the ICU, and I saw the nurses and the doctors running. And I came in, and I looked at the monitors, and I saw the numbers that showed in a very cold and heartless way that her life was no more. And I got to thinking, she was gone too soon. Larry Grossman, in a moment of inspiration, he wrote the following poem, Gone Too Soon. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading with the twinkling of an eye, gone too soon. Shiny and sparkly and splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach, gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight, here one day, gone one night. Like a sunset dying with the rising of the moon, gone too soon. Friends and family back in France, on behalf of the Hong Kong Adventist Hospital, we offer our deepest condolences. But as we honor Nina's memory, go and become the best person that you could be, and in that way, you will honor her memory. At this time, I'm going to ask you to stand up, and I'm going to ask you to come and meet me here as we say a final goodbye. You may come around this area as well. You may come around here.
don't know if we have any teachers here. If you are a teacher, would you raise your hands, please? We say goodbye to a fellow teacher here. That's myself. Those who were very close friends with Nina, we say goodbye to a friend. May her memory always live in our hearts. Bob, can you tell Kim to come over here, please? You're the closest to the family. I want you here when I do this, please, if you don't mind. As we say goodbye to a friend, from ashes to ashes, from dust to dust. Goodbye, Nina. Galaxies.
sidérale, jusqu'au cœur des glaces et jusqu'au fond du désert, jusqu'au bout du ciel et dans un autre univers. Tu me demandes jusqu'où je t'aime aussi loin, je t'aime aussi loin, je t'aime aussi loin. Once again, on behalf of Nina's family and her friends, thank you so much for taking the time to be here today to honor her memory. At this time, you're all invited to participate in her memory as we all undertake a time at the Hyacinthic and North Point, and we're all invited to participate. Once again, thank you for being here. Thank you.